À la nuit tombée, elles ont éclairé votre chemin pour laisser l'esprit de Noël flotter dans vos rues. Elles clignotent, scintillent, dorées, vertes ou bleues, leur couleur féerique réchauffe les cœurs et vous souhaite une bonne année. Chaque quartier a sa décoration, chaque rue son étoile de Noël, mais c'est souvent le centre-ville le plus étincelant, comme à Manille-les-Hameaux, où les anciennes lampes à incandescence ont peu à peu laissé la place aux LED, plus légères, plus robustes et surtout plus économes. Les années précédentes ont tourné au fil lumière, donc qui tournait à 14 watts au mètre. Et là, donc cette année, on tourne à 4 watts au mètre. Donc il y a quand même une consommation moins importante. À Manille-les-Hameaux, plus de 170 illuminations ont scintillé. Mais un mois après leur installation, les guirlandes doivent repartir à l'atelier pour laisser place aux douceurs de l'hiver. Et il faudra désormais attendre un an pour que la magie de Noël s'empare à nouveau de vos rues.